caisse de l'État, 5 650 millions FMG versés par les candidats. La Cour électorale spéciale étudie les dossiers de candidature qui lui sont parvenus au fur et à mesure de leur réception, a-t-on appris de sources informées. Les élections présidentielles comptent 23 candidats en lice, si l'on tient compte du nombre de dossiers déposés auprès de ce bureau depuis l'ouverture du dépôt de candidature. Selon les explications fournies, certains de ces dossiers ont été déclarés recevables, tandis que les autres exigent une étude plus approfondie. La date limite de dépôt de candidature a été fixée au 28 avril prochain. Pour sa part, la Cour électorale spéciale dispose encore de 5 jours pour étudier chaque dossier. Selon le programme établi, la CES devra arrêter la liste des candidats qui participeront au premier tour de l'élection présidentielle au plus tard le 3 mai prochain. Au sujet de la caution de 50 millions d'ariars, chaque candidat devra s'acquitter de cette somme sous peine d'être exclu. Un postulant dont la candidature n'aura pas été acceptée ne sera pas remboursé. Et puis cette somme ne sera restituée qu'à une condition. Le candidat devra obtenir plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour. D'après nos calculs, un total de 5 650 millions ont été versés dans les caisses de l'État à titre de caution par les 23 candidats réunis.